C'est au salon communal de Souvray que s'est organisée une exposition retraçant l'histoire de la société royale, les barons Vadrouille, depuis 80 ans, dans l'entité souvraitoise. Les barons Vadrouille, à Souvray, c'est une société royale folklorique qui a été fondée en 1934 par les frères Moinil. Et donc, depuis maintenant 80 années, nous fêtons le carnaval à Souvray. Donc, c'est-à-dire que chaque année, nous sortons à quatre occasions, la soumonce du groupe, la soumonce générale et deux jours de l'étarré. Donc, le carnaval de Souvray qui a lieu à la mi-carême, nous sortons le dimanche et le lundi. Alors, notre groupe actuellement est composé d'une quarantaine de personnes. Nous sommes accompagnés de la viole et nous avons également quelques musiciens, une grosse caisse, un tambour pour nos chansons. Aujourd'hui, donc samedi, nous avons profité donc de la salle pour organiser une exposition avec notamment 24 illustrations retraçant l'histoire des barons Vadrouille ainsi qu'un panneau reprenant les 7 présidents successifs de la société. Nous avons dans la société plusieurs barons Vadrouille qui font partie de la société philanthropique et donc nous organisons chaque année un grand souper dont les bénéfices sont redistribués à des œuvres à nos œuvres, donc des associations, des écoles de l'entité. Alors le costume du baron Vadrouille se compose d'un pantalon carreau écossais, un gilet rouge, un nœud papillon et une redingote. Et alors, un chapeau buse quand il sort à la létarée, mais aussi un chapeau boule quand il sort en soumonce. Alors ce costume, en fait, les fondateurs de la société sont allés à Paris pour voir une opérette intitulée Le Baron Vadrouille. Et sur base du costume du Baron Vadrouille de l'opérette, ils ont repris donc toutes ces idées. Alors nous sommes bien sûr très fiers de notre folklore ici à Souvray. Bon, les barons Vadrouille, bien sûr, constituent une part importante, mais nous accompagnons lors du cortège des groupes de Gilles qui eux aussi, hein, cette année notamment par exemple les Joyeux Gilles vont fêter leur 80e anniversaire et la Société des Infatigables qui eux fêteront leur 90e anniversaire. Donc, disons que 2014 sera vraiment une année faste pour le folklore à Souvray. Je disais tantôt que les barons Vadrouille, quand ils sont de sortie, sont accompagnés de la viole. En fait, avec mon épouse et donc la famille Renaud, nous avons acquis une viole. Et cette viole est une viole qui a été rénovée par M. Lebon de Binche. C'est une viole à rouleau. Et elle comporte 8 morceaux donc qui sont repris lors de nos sorties. Et les barons seraient très malheureux s'ils n'étaient pas accompagnés de la viole. Allez les patrouilles, marchons tous au pas, comme une patrouille, mais n'oublions pas, si le front se mouille,